Hé, hey, Grise, t'es occupé? Eh ben, j'ai essayé de regarder. Enfin, non, rien de spécial, non. C'est bon. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je me trouve devant les épaves de deux vaisseaux. Apparemment, t'es pas le seul pilote à avoir souffert du vent. Oh, ça te surprend vraiment? T'es long à la détente. Personne s'en sortirait mieux que moi, tu sais. Ouais, ok. En fait, je voulais juste te remercier. Écoute, tu sais, y a pas de quoi, petit gars, mais je dois vraiment filer. J'ai un truc que je dois... À plus. Fais-moi voir. Ce qu'il y a dedans. Qu'est-ce que c'est, BD? Que tu veux aller là-dedans. Ok, BD, qu'est-ce que c'est? Faut que tu m'aides. Les villageois ont érigé un mémorial pour les clones du Venator. S'ils avaient su la vérité... BD, j'aurais besoin d'une surcharge, là.
Non autorisé détecté. Analyse. BD, j'aurais besoin de ton énergie. Tu crois que tu peux m'aider, BD ?
veux bien créer une surcharge ? Eh, hey, BD, on y va. Ça va, commandant. Mais où est Marcef? Où est mon padawan? Mes hommes sont en train de fouiller l'épave. On le trouvera. Je reçois une transmission. C'est sûrement l'escouade. Non, une minute. C'est le chancelier suprême. Vu ? On dirait que l'Empire n'est pas notre seul problème. Ce tunnel s'est soudain rempli d'eau. Qu'est-ce qui a pu causer ça ? Il y a comme une vieille odeur d'huile. Mais non, BD, pas toi. C'est si tôt. Un effondrement l'a tué. Les fouilles effectuées par l'Empire fragilisent ces tunnels.
Fais-moi voir. C'est par là? D'accord. Après tout ce qu'on a vécu ensemble, comment ? Enfin, s'amuser.
Par ici, BD. Hey, BD, là-dedans. Voyons ce que t'as trouvé. C'est une très belle découverte. Je vais devoir l'évaluer en personne. L'impériale est venue ici pour cacher une relique. Il y a eu un éboulement. Elle a été littéralement prise au piège.
Vous voyez ce destroyer stellaire? C'est un Venator. Il contient peut-être des informations utiles. Je vais essayer de l'atteindre. Android sonde. Il nous surveille, BD. Merci, BD. C'est un sabre laser qui a tué le commandant. Beau travail, BD. On se rapproche. J'ai remarqué ça tout à l'heure, une sensation bizarre dans mon ventre. Au début, j'ai cru que c'était la cuisine de Grise. Maintenant, ça s'intensifie. Je crois que plus on approche et plus je me sens mal. Ça ne me dit rien qui vaille.
pile ce qu'il nous fallait. Une seconde. Ça bouge. Jedi inférieur. Être futile. Il faut que je recharge. L'intrus esquive les attaques. Dégâts subis. Exécution en cours. Humain sans intérêt. Coup critique. Sans intérêt. Une tyrolienne, ça te tente? Ce moteur devrait faire l'affaire. Qu'est-ce que ça donne? On doit pouvoir atteindre le tombeau. BD, lance-moi un skin. Allez, je traîne pas. Un Jedi. On ne laissera pas fuir. On va l'avoir. Ne laissez pas vous atteindre. Lâchez rien. Il suffit de trouver une ouverture. Un front. Essaye d'éviter ça.
Un ouvrier a laissé ses outils. Il avait espéré trouver les reliques, mais il se souciait peu de l'aspect historique. Gestis. Comme c'est prévisible. Oh oui, je connais ton nom, ton passé, mais je connais surtout un certain Enno Cordova. Dis-moi, où a-t-il caché cet holocron ? Incroyable. Tu ne pourras pas toujours fuir. Par ici. J'ai enduré bien pire que ça. Tu progresses. Pas aussi doué que l'ancien apprenti de Serré, mais pas mal cependant. Quoi ? T'as pris des notes ? Étonnant qu'elle ne t'ait rien dit. Serré n'a jamais su garder un secret. Et tu la connais si bien que ça, hein ? Elle était faible. Elle a craqué sous la torture impériale et révélé la cachette de sa jeune padawan. Il ne m'aurait jamais trouvé. Si elle n'avait rien dit, elle m'a abandonnée. Tu es Trilla. En chair et en os. Je ne te laisserai pas me manipuler. Tu es bien sûr de toi. Quand elle a été confrontée au choix de sauver sa vie ou sa padawan, elle a fait preuve d'égoïsme. Elle te trahira aussi un jour. Eh bien, je sais me débrouiller tout seul. Tu as vraiment envie de t'y risquer ? Ton nouveau maître a une part d'ombre en elle. Tu aurais dû voir sa tête quand elle a découvert ce qu'ils avaient fait de moi. Elle a sombré et dévoilé à tous sa vraie nature. Elle a été puisée dans le côté obscur. Elle a coupé ses liens avec la Force. Oh ! Combien de temps lui faudra-t-il avant de te trahir ? Est-ce que tu veux vraiment être avec elle quand tu trouveras l'Holocron ? Qu'en penserait Jaro Tapal ? Tu n'as pas le droit de prononcer son nom ! Je me demande. Que dirait-il s'il pouvait voir son padawan aujourd'hui, rôdant dans les ténèbres aux côtés de cette traîtresse, lui donnant accès à une légion entière de pauvres disciples dociles. Non. Je ne laisserai personne les toucher.
Je disais la même chose avant. Merci pour le coup de main, BD. Tu m'as sauvé la vie. Et tu nous as rapprochés du tombeau.